Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour ce JT du Geek. Comme je vous rappelle, allez, le challenge c'est un produit par jour, bon du lundi au vendredi, on va pas en faire le week-end non plus. On reçoit des produits Amazon, de vendeurs, un peu de gauche à droite, toujours des produits qui valent moins de 100€. On vous les déballe, on vous dit ce qu'on en pense, on leur demande pas d'argent, mais par contre on sera impartial au niveau du commentaire. Voilà, bah, ça change un petit peu, mais c'est toujours un peu pareil, on a toujours été impartial. Allez, aujourd'hui on teste une brosse à dents électrique. Alors, ce n'est pas, on me l'a envoyé de force, c'est Gearbest qui me l'a envoyé, il me dit, je ne voulais pas de ta brosse à dents moi. Il me dit, ah mais on me l'a envoyé et tout, c'est une brosse à dents. Alors c'est pas vraiment une brosse à dents Xiaomi, je vous rappelle, Xiaomi produit un petit peu tout et n'importe quoi, et du coup fait fabriquer par d'autres marques et les vend soit directement sur son site, soit sur Youpin, soit dans ses boutiques, des produits qui sont pas vraiment de lui, mais qui sont un peu en partenariat avec lui, fabriqués pour lui, par lui, qui fonctionnent des fois avec son application, des fois non, et ça fait partie de cette brosse à dents. Non, nom de Dieu, alors là, si on m'avait dit celle-là, bah, brosse à dents, c'est vraiment... Une brosse à dents électrique qui est plutôt classique. Le truc bien, vous avez remarqué, alors c'est pas de la charge par induction, hein. C'est de la charge par contact, mais vous voyez, c'est aimanté, et du coup, ça permet bah, après de le mettre directement sur son socle. C'est plutôt bien vu. Bon, après, ce qui est mal vu, c'est que c'est une prise USB, qu'il faudra la recharger, donc le câble est quand même assez long, mais il faudra bien prévoir soit une batterie externe, ce qui serait rigolo dans la salle de bain, soit... Sauf si vous mettez les dents dans les chiottes, donc dans ce cas peut-être qu'il y aura une prise de 120. Donc une prise USB, donc soit il faudra mettre un adaptateur, il n'est pas livré dedans, encore une fois, les fabricants n'en mettent plus à cause des normes. Parce qu'un produit comme ça en France, il peut être toléré, vendu sur Amazon machin. Mais s'ils mettent un chargeur secteur avec une prise 220 qui transforme en 5 ou 12 volts, là il faut absolument que le chargeur soit aux normes CE machin et tout, voilà. Donc là, comme ça se recharge en USB, c'est bon. Bon, après, au niveau du produit, bon bah c'est plutôt simple, une tête que tu vas pouvoir enlever. Tu vas pouvoir lui démonter la tête. Bon, bah c'est plutôt simple. Ça, après, ça se rachète hein, sur le site directement de sur Gearbest ou n'importe où. Hein, vous en trouverez. On la met dessus. Voilà, donc tu appuies une fois, ça fait brosse à dents. Tu restes appuyé longtemps. Voilà, je ne sais pas si vous allez entendre la différence de bruit. Ici, je reste appuyé longtemps. Bon, ça fait... Bon, voilà. Bon, après, certains vont dire la sensation en bouche... Oh, ça va. Et là, et tu appuies hein, une fois court. Alors, c'est, je le mets comme ça. Attends, je vais mettre peut-être en. Ah ouais. Ouais. T'as l'impression de mettre un balai à chiottes qui vibre, quoi. Un vibro balai à chiottes. Bon, après, la sensation est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on nous vend, nous, sur le site? Alors, oui, évidemment, elle est Bluetooth. En fait, il existe plusieurs versions de cette iOcean. S'il y en a un qui veut, je lui envoie la brosse à dents. Maintenant que je l'ai bien mis dans ma bouche, comme ça et tout, à faire le con sur le micro et sur la bouche, maintenant, elle est bien dégueulasse. Non, regarde. Et hop, regarde. Voilà, c'est bon, elle est neuve. Personne n'a rien vu. Bon, elle est également Bluetooth. Il existe plusieurs versions, ce qu'on verra après dans la description. Donc elle est intelligente, tu vois, pour la connecter avec l'application bah, du même nom hein, qui s'appelle Ocléan. Ocléan, et non pas Duncan Duncan Ocléan. C'est bon, tu l'as ou pas? Bah, t'es trop jeune. Bon, il va dire, l'application va te dire quoi? Bon, je vous l'ai mis sur mon Xiaomi, mais sans grande prétention hein. Le score du brossage. Standard cleaning, 2 minutes. Donc du coup, toi, tu peux la mettre et pendant 2 minutes. Smart push, customisation. Alors après, ça, moi, je pense que ça peut être très rigolo pour les enfants. Bon, les papas s'amusent. Nous, on s'amuserait avec quelque chose de qui vibre, mais de beaucoup plus sympathique, tu vois. Mais les mamans aussi, vous me direz. Mais les enfants, eux, ça peut être sympa. En disant, alors, va te brosser les dents. Est-ce que tu vas battre ton record et tout? Il y a peut-être moyen de faire un challenge avec les enfants pour regarder comment ils se brossent les dents. S'ils se brossent mieux, en disant, attends, viens, va regarder sur mon téléphone, machin et tout. Et puis de jouer un peu. Alors, combien de temps t'es brossé les dents? Ah, est-ce que t'as bien fait, machin et tout? Bon. Ça peut être un peu le jeu, machin. Donc, pression sensitive. Donc là, si tu appuies trop fort sur tes dents avant que ça t'arrache la bouche, elle s'arrête. Il y a une protection électronique, c'est pas mal. L'application, c'est bien. Standard, charge rapide en 2,5 heures. Pas mal. Grosse autonomie, elle est IPX7. Donc, quand même, vous mettez dans la bouche, bah, tu vas pouvoir rigoler. Attends. Attends, c'est un métier, hein. Le placement de produit. Il a bien l'air con. Hein. Oui, on est d'accord. Bon, allez, Hight Efficient, spa. Elle fait les massages.
Non, mais spa brushing. Oui, un spa brushing, c'est un brossage des dents en mode spa. Ah non, tu vois, d'une blague, c'était vraiment ça. One Touch Switch, donc ça, on aura vu. Intelligence artificielle. Bon, ok, d'accord. C'est que avant qu'il y ait du sang, elle s'arrête. Voilà. Merci. Merci, Xiaomi. Bluetooth Control, ça, c'est bien. IPX7, c'est bien. 30 jours. Oui, mais ça dépend combien de temps. Si tu te brosses les dents matin, midi et soir, ce qui n'arrivera jamais à un enfant, on est d'accord. Je veux dire, mon fils, le temps qu'il monte, il se brosse les dents, il prend la douche, il revient, il descend. Je dis, mais t'as fait quoi? T'as fait cool. Ah bah ouais, mais ça, parce qu'eux, ils ont du talent, ils sont express. Bon, IPX7, 30 jours d'autonomie et compact et design. Bon, compact et design, c'est comme tu voudras, on est d'accord. Bon, les petits moteurs, on aura vu ça, voilà, ici. Donc du coup, quand tu mets... Putain, alors ça... T'imagines? Alors ceux qui ont des problèmes dentaires, c'est, ce moment est pour vous. Oh, oh, c'est bon. Attends, j'ai une deuxième vitesse. Génial, génial, génial. Combien de personnes me détestent actuellement? Si tu me détestes, mets-le en commentaire. Greg, je te déteste. C'est une brosse à dents. Arrêtez. Putain, normalement les vidéos doivent durer 5 minutes, mais aujourd'hui, on va arriver à tenir 10 minutes avec une brosse à dents. C'est là, il est là le talent. Bon, auto slow down, one brushing to hard, donc ça c'est bien. Petit bouton sensitive. Parce que ça peut vibrer, ça peut être étanche et ça peut être sensitif. Arrête, je vous surveille, puisque je te vois là, en train de ricaner. IPX7, donc bon, sous l'eau comme ça à fond, oui, remarque, oui, elle est bien monobloc et tout. Après, c'est pas te laver dans la piscine, quoi, tu vois. Déjà, l'eau est dégueulasse. En plus, il y a un mec qui a pissé avant, donc laisse tomber. La charge, bon, ça c'est bien. 800, FDA approve mini brush. Donc, voilà, elle est approuvée par la FDA. Donc là, avec ça, je peux dire, là, t'es dans mon pote. Je peux te dire des dents de vampire. Voilà. Donc c'est un peu tout pour la brosse à dents. Est-ce qu'elle est géniale? Est-ce qu'elle est incroyable? Est-ce que je me serais acheté une brosse à dents à 38€ parce que c'est une Xiaomi, qu'elle est connectée et qu'elle vibre et qu'elle est étanche et que tu peux te la mettre dans ta bouche? Et oui, parce qu'elle est étanche et elle vibre. Donc du coup, si tu la mets de l'autre côté, est-ce que ça vibre? Non. Oh la vache, t'as que le boîtier. Ah ouais, donc si tu n'aimes pas les dentistes, sache que cette brosse à dents n'est pas faite pour toi. Elle risque de t'énerver assez rapidement. Bon, est-ce que je mettrais 40€ là-dedans? C'est un peu cher quand même. Mais bon, elle est quand même connectée. C'est quand même un produit presque labellisé Xiaomi. Ils l'ont mis sur Indiegogo, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu, vous pouvez l'acheter sur les sites Youpin si vous êtes en Chine, machin comme ça. Bon, après, moi, je suis pas personnellement convaincu. Bon, on me l'a envoyé, je vais l'utiliser, toi, comme le rasoir à 30 boules. Bon, bah, 30 boules le rasoir, 40 boules. On voit qu'on fait des bonnes affaires. Est-ce que je vais l'utiliser quand même? Je vous dirai demain. Si demain, pendant le live, vous vous rendez compte que j'ai la bouche comme ça, c'est que ça s'est mal passé. Il aurait pu l'essayer quand même avant. Bah non, arrête, tu rigoles quoi. Allez, comme toujours, 3R, cher, en partant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je connais des gens qui sont intéressés par une brosse à dents électrique, connectée, et Xiaomi, et étanche, et avec l'application et tout. Pourquoi pas? Tu peux mettre un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo. Tu mets un pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo, bien évidemment. Tu me laisses un petit commentaire pour dire ce que t'as pensé cette brosse à dents. Moi, je donne rendez-vous demain pour un autre produit high-tech pour finir la semaine, comme toujours. Après, on finira, ce sera vendredi. On se donnera rendez-vous lundi. Et je commence déjà à prendre du retard pour lundi, donc il va y avoir des trucs plutôt sympas. Voilà. Allez, tu peux toujours aller me payer un café sur Tipeee si l'envie t'en dit. La Tipeee. Je suis un peu le roi de la rime en ce moment, j'ai l'impression. Paix et prospérité. Bonne journée. À demain ou à ce soir, 16h. Bye bye.